Bonjour à tous, c'est Edibine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'une série que j'ai beaucoup appréciée, il s'agit d'Outlander, tirée du bouquin du même nom. Je vais essayer de vous faire un résumé complet de la série, vous montrer quels sont les personnages, qu'est-ce qui m'a vraiment plu, enfin vraiment quelque chose de complet qui j'espère ne sera pas trop long, afin de voir si vous pouvez apprécier cette série ou non. Cette série débute en 2014 par Ronald D. Moore. Il s'agit d'une série en tout genre, vous allez avoir de l'aventure, du fantastique, de la romance, des drames et surtout de l'historique. Elle est de nationalité américaine et actuellement il y a 3 saisons sorties. Les acteurs principaux sont notamment Sam Hogan, Catriona Balfe et Tobias Menzies. Je ne sais pas du tout comment dire ces noms donc j'ai fait à peu près approximativement. Dans cette série, nous allons suivre les aventures de Claire, une infirmière de la Seconde Guerre mondiale. Elle est anglaise et une fois la guerre terminée, elle va se retrouver à faire une sorte de seconde lune de miel avec son mari, qui est un fan d'histoire en Écosse. Accidentellement, elle va se retrouver 2 siècles en arrière, en 1743, où s'affrontent les Écossais et les Anglais. Elle se retrouve un peu le cul entre 2 chaises puisqu'elle va devoir épouser un guerrier, le fameux Jamie. Et évidemment, la situation va la partager entre ses 2 maris, ces 2 hommes drastiquement opposés et surtout qui sont dans 2 vies irréconciliables. Mais attention, dans cette série, il y a beau y avoir un triangle au niveau des personnages, il n'y a pas réellement de triangle amoureux à mon sens. Nous retrouvons dans cette série vraiment des personnages caractériels. Tout d'abord, le personnage vraiment principal, il s'agit de Claire. Claire, c'est un personnage vraiment qui est indépendant et c'est une femme forte. Elle a vraiment un caractère en totale contradiction avec l'époque dans laquelle elle atterrit, c'est-à-dire le XVIe siècle, puisque en quelque sorte c'est elle qui va porter la culotte dans le couple. Elle s'habitue très vite à son milieu, notamment grâce à ses connaissances en médecine, et heureusement pour elle. C'est un personnage vraiment très complet, sensuel, intelligente et surtout indépendante. Courageuse, elle n'a pas toujours besoin de Jamie, donc son époux en Écosse, pour la sauver. À l'inverse, nous avons Jamie qui lui n'est pas du tout montré comme l'homme qui doit sauver sa femme à tout prix, sa femme toute chétive. Non, il est vraiment très gentil et il est prêt à tout pour sa femme. Ils ont beau être tous les deux, c'est vraiment de l'entraide entre les deux, elle avec ses connaissances en médecine et lui avec ses connaissances du pays et de la guerre. On ne peut pas le nier, ce n'est pas une histoire d'une femme qui est sauvée par son chevalier servant, mais il s'agit surtout ici d'un Jamie qui a un charme certain et qui est surtout très attachant. Le troisième protagoniste, parfois antagoniste, il s'agit de Jonathan Randall. Il est vraiment l'antagoniste, le méchant de la série, notamment au début. Il est vraiment là pour qu'on le déteste. C'est un psychopathe sadique qui est vraiment parfait dans son rôle parce qu'il en fait vraiment voir de toutes les couleurs à notre couple. Concernant tous les personnages secondaires, il y en a quand même pas mal. Ils sont là pour une raison ou une autre, ils passent, ils repassent. Ils sont assez intéressants, attachants et surtout ils ne sont pas dénués de sens, voilà. Concernant les acteurs, je les ai vraiment trouvés parfaits pour le job. Catriona Balfe a vraiment un talent exceptionnel, un talent de dingue. Elle m'a surtout donné des frissons à un moment donné dans la saison 2, je crois, où son personnage vit vraiment un moment intense, très fort et pas super terrible à vivre. Je ne pleure pas facilement ni devant un film, ni devant un livre, ni devant une série, mais là vraiment pour cet épisode spécial, Catriona a vraiment failli me faire craquer. Sam Hogan, lui, joue vraiment parfaitement le personnage écossais, le guerrier écossais et l'époux attentionné. Il m'a particulièrement bluffée au niveau de la fin de la saison 1 où son personnage va subir des sévices qui vont considérablement le changer. Tobias Menzies, lui, a 2 rôles importants et bien distincts. Il s'agit du mari de Claire en 1945 qui peut être assez semblable à Jamie puisqu'il va vraiment aimer sa femme du plus profond de son être et vraiment tout faire pour elle. Mais à côté de ça, il va également jouer le personnage, l'antagoniste Jonathan Randall qui va vraiment faire de sacrés sévices et de sacrée méchanceté à notre couple Jamie et Claire. Cet acteur, Tobias, réussit vraiment très bien à différencier les 2 acteurs. Il joue très bien l'homme super gentil, mais également l'homme pervers et vraiment sadique. Nous avons donc pour Tobias, d'un côté, l'homme innocent et d'un côté, le psychopathe qui ne s'assume clairement pas et qui ne veut pas s'assumer. Concernant les décors et les paysages, ils sont juste époustouflants. On découvre une Écosse tout en splendeur avec des paysages, des clichés magnifiques qui donnent vraiment envie de visiter ce pays. Il y a énormément de scènes et de paysages différents. Dans la saison 2, vous allez découvrir la France et là encore, vous allez avoir des décors sublimes malgré qu'il n'ait pas du tout été tourné en France. Et ça, faut le savoir parce que c'est super bien fait finalement. Les paysages d'Écosse, eux, sont authentiques et vraiment magnifiques. Je vous conseille cette série juste pour ça. J'ai très très hâte de me rendre en Écosse juste grâce à cette série parce qu'on nous montre des choses mais ravissantes. Les costumes également ne sont pas en reste puisqu'ils sont à couper le souffle.
On s'immerge complètement en 1743. Grâce à eux, nous avons absolument de tout. On passe du vieux costume d'écuyer au costume du roi de France en passant par la robe somptueuse de Claire Fraser à un moment donné dans la série. Vous avez vraiment de très très belles robes, notamment la robe rouge. Si vous avez vu la série, vous savez de quel moment je parle. Claire était sublime dans cette robe. Et personnellement, j'adorais être actrice juste pour porter ce genre de tenue, ce genre de robes qui sont vraiment mais sublimissimes, je trouve. Dans cette série, vous allez également avoir une bande-son magique. La bande-son du générique est juste top et comme peu de séries aujourd'hui, sachez-le, il s'agit d'une bande-son faite exprès pour la série. Ne vous attendez pas à avoir des chansons modernes, des chansons d'aujourd'hui, il s'agit vraiment de chansons faites pour l'époque, jouées spécialement pour la série et ça c'est top. Je suis désolée si vous entendez le chien des voisins au-dessus qui pleure, c'est un shih tzu, un truc comme ça, c'est un chien qui n'aime pas du tout être solitaire et qui dès que son maître quitte les lieux, s'en va pour faire des courses ou autre, pleure et donc actuellement c'est ce qu'il se passe. Ne soyez pas triste pour lui, je suis sûre qu'il va bien, c'est juste qu'il est tout seul. Elle nous fait directement entrer dans l'univers de la série. Les musiques celtiques notamment nous transportent, nous emmènent dans le cœur de l'Écosse. C'est parfait pour s'immerger notamment avec des instruments spéciaux authentiques de l'Écosse. Il n'y a, comme je vous l'ai précédemment dit, pas de triangle amoureux dans cette série en soi. Ce n'est pas une romance niaise, il s'agit ici d'une réelle histoire entre ces deux personnages. Il faut savoir, on est vraiment servi niveau sexe. Que ce soit des moments purs, doux entre l'homme et la femme qui s'aiment, mais également des moments beaucoup, beaucoup plus violents. Vous avez effectivement deux maris, Frank Randall, donc en 1945. Lui est un peu laissé pour compte, donc dans ce triangle-là, il n'a plus trop sa place, puisque sa femme est effectivement deux siècles en arrière. Donc Claire au début est bien obligée de refaire sa vie plus par obligation que par choix ou par amour envers cet homme, Jenny. Mais voilà, elle est anglaise, lui est écossais, ils sont vraiment... Leurs deux peuples se déchirent dans cette guerre entre l'Écosse et l'Angleterre, seulement ils s'aiment vraiment d'un amour pur au final quand ils apprennent à vraiment se connaître. Attention toutefois, cette série n'est pas faite que d'amour, elle est également sacrément servie au niveau de la violence. Attention donc si vous êtes sensible parce que Claire est une infirmière et donc elle se retrouve au beau milieu d'une guerre, que ce soit la guerre de la Seconde Guerre mondiale où on a quelques petits extraits, mais également la guerre entre l'Écosse et l'Angleterre. Alors oui, elle recoue des blessures que l'on voit parfaitement, et oui, on voit parfaitement des viols, des flagellations ou des mises à mort. Il y a clairement des scènes très crues, très choquantes pour certaines personnes où clairement moi je me suis dit non, ils vont pas faire ça, ils vont pas montrer ça à l'écran et si ils le font dans cette série, donc âme sensible, s'abstenir. Mais finalement dans cette série c'est pas si mal puisque ça permet certaines scènes d'inverser les rôles et vraiment de retrouver cette indépendance de la femme qui là va sauver son mari des sévices de certaines personnes. Et enfin le meilleur pour la fin, dans cette série vous allez avoir des voyages dans le temps. C'est quand même le gros du synopsis, c'est le voyage dans le temps de Claire de 1945 à 1743. Et je peux vous dire que d'autres vont venir dans les deux saisons qui vont suivre et c'est juste merveilleux. J'ai aimé le fait que cette série ne soit pas faite pour attirer les gens, qu'elle ne soit pas faite pour surtout attirer les jeunes avec toute cette modernité, les chansons qu'on écoute en ce moment, ce genre de choses. Là, c'est vraiment une série authentique. Les acteurs ne vendent pas forcément du rêve, ils n'ont pas forcément une peau parfaite, et heureusement, parce qu'à cette époque, les produits de beauté, ça n'existait pas. Il n'y a vraiment que le personnage principal féminin, Claire, alias Catriona Balf, qui a, je crois, 40 ans, un truc comme ça, qui est sublime, je trouve vraiment cette actrice, je la trouve magnifique. Clairement, ici, on se retrouve dans une série beaucoup plus adulte qu'adolescente. On est pris en haleine du début à la fin. On a du fantastique, du drame, de l'émotion, du sexe, beaucoup de violence, mais surtout énormément de frissons. Voilà, je n'ai pas tout dit à propos de cette série parce que ça ferait beaucoup, beaucoup trop de temps pour une vidéo. Déjà que celle-ci risque d'être longue. Donc, j'ai un peu pris les points les plus importants à mon avis. Et j'espère vraiment que si vous avez vu cette série, mon avis, vous le trouverez à la hauteur de la série. J'espère également que si vous ne l'avez pas vu, cette vidéo vous permettra d'avoir peut-être envie de la voir ou de vous dire finalement c'est pas du tout fait pour moi. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez aimé ou non cette série. N'hésitez pas non plus à me proposer des séries que peut-être je n'aurais pas pensé à regarder dans le même genre. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bons visionnages si vous regardez des séries ou des films, de très bonnes lectures si vous lisez, et je vous dis à la prochaine.